un ami qui a un accident dans une voiture et aller le chercher. Pour moi, c'est ça. D'accord. Tu l'as vécu ou... Ouais, je l'ai vécu, c'est pour d'accord. ça. D'accord. Je sais pas, par exemple, moi je suis membre du Secours Populaire, donc j'imagine qu'il y a plusieurs histoires à raconter là-dessus, que ce soit des personnes qui n'avaient qu'à après l'inondation, puisque je suis originaire du Var, à Draguignan, une inondation en 2010, où tous les villages alentours, j'étais installé en maçonnerie à l'époque, eh bien, le patron nous a arrêté les travaux, on est tous allés aider les gens à sortir ce qui restait de chez eux, à trouver des habits propres, des vêtements. Donc ça, je pense que c'est un bel exemple de fraternité. Je me rappelle une fois que genre, je voulais rentrer chez moi, mais il n'y avait personne chez moi. Et j'ai mon collègue qui habite à un village pas loin de chez moi, genre 10 minutes à peu près. Et je l'ai appelé, genre il devait être 22h ou quoi, en galère. Et le gars avait pas de moyen de venir jusqu'à, enfin, je me tenir compagnie ou quoi que ce soit. Et en fait, il a appelé son cousin qui habite hyper loin pour passer le chercher, venir me chercher. Et finalement, on a tous fini la soirée chez lui au final, tu vois. Alors que c'était carrément pas prévu. Moi, je me suis dit, il va venir passer quelques minutes avec moi pour attendre, tu vois. Et finalement, je tapais soirée avec lui au final de cette histoire.